remercie Jonathan Blondy, le nouveau président du district, d'être à nos côtés. On a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Très clairement, avec Éric Lacour, il n'y avait pas de problème. Une fois qu'on a eu besoin, il nous a écoutés. Et Jonathan, même quand il n'était pas président, nous écoutait aussi. Alors maintenant qu'il est président, il va faire encore plus pour notre club. Donc merci Léna, il va dire quelques mots après. Merci donc à l'ensemble du bureau, des entraîneurs, des dirigeants, des représentants des communes et puis à vous tous, dirigeants, sympathisants, joueurs, femmes de joueurs, femmes de dirigeants, dames qui tiennent la buvette. Voilà, alors bon, on pourrait être plus nombreux, mais enfin, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci à celles qui sont là. On a besoin de tout le monde. Le club de foot, c'est une grande famille. Dans la famille, ça arrive qu'on s'engueule, mais bon, ça fait partie aussi des choses de la famille. Mais s'il n'y a pas des membres de la famille, on est rien. Donc, le foot existe s'il y a des joueurs, certes, mais aussi parce qu'autour, il y a des gens qui apparaissent pas toujours, mais qui font le boulot. Voilà, Émilie, qui travaille à côté de moi, la communauté de communes, aimerait souvent que je sois plus loin, parce que voilà, il y a toujours quelque chose à régler, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et il y a toujours quelque chose à faire avancer. Voilà. Donc merci à tous. Là, comme d'habitude, sans grand formalisme, elle va nous faire, après que Jonathan ait dit ce qu'il a envie de dire, nous faire le bilan moral du club. Après, Guy vous fera le bilan financier. Et puis chaque entraîneur, éducateur, coach nous dira ce qu'il a envie de dire. Et après, les mairies nous expliqueront qu'ils vont nous donner beaucoup d'argent cette année. Voilà, donc une fois qu'on aura fait tout ça, il y a un pot peut-être. Ouais. On commence par les mairies alors. Ok, donc voilà, Jonathan, t'as la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Président, pour l'invitation ce soir. Récemment élu, en effet, donc je vais essayer d'être bref. C'est l'une des premières assemblées générales que je fais, suite à l'élection de samedi dernier, du coup, avec un comité directeur qui est relativement jeune, pour le coup. Et on essaiera d'être tout autant disponible qu'on a pu l'être depuis quelques mois. J'avais souvent Émilie par message ou au téléphone, donc ça ne devrait pas changer, a priori. Une belle saison pour le club, qui va revenir, je pense, à des standards un peu plus cohérents qu'il ne l'était en départemental 2. Je pense que le club méritait de retrouver à minima, en tout cas, la départementale 1. L'équipe réserve également, qui fait une belle saison. La fête aurait pu être encore plus belle à la dernière journée de championnat, malheureusement. Ça avait été un sacré... sacré épisode, ça aussi. Le district fera en sorte de pouvoir accompagner l'ensemble des clubs, quoi qu'il arrive. Il y aura une belle poule l'année prochaine, en départemental 1. Mais j'ai nul doute que le club saura être à la hauteur de ses ambitions et du projet qui est le vôtre. L'ensemble de l'équipe, il y a José qui est venu avec moi également et qui est membre du comité directeur. On aura à cœur, en tout cas, d'accompagner l'ensemble des clubs. Et puis, lorsque ça va, il faut se le dire. Et puis, lorsque ça va pas, il faut se le dire aussi. Voilà. Je vous remercie, en tout cas. Très bien. Merci. Ça va ? Alors, Émilie. Bonsoir à tous. Donc, au niveau du bilan sur la saison 2023-2024... En nombre de licenciés seniors, on a atteint les 50. Nombre de licenciés U18, U19, 8. U16, U17, 8. U14, U15, 11. U12, U13, 20. U6, U11, pardon, 19. En féminine senior, on en avait 5. U16, U17, U18, 1. U14, U15, 10. U12, U13, 5. U6, U9, 1. Nombre de licenciés dirigeants masculins 15 et féminines 7. Et on comptait 3 arbitres. Donc concernant la saison 2024-2025, on a déjà 45 renouvellements toutes catégories confondues et pour la plupart en attente pour certificat médical.
Aujourd'hui, d'acter vraiment, on a 3 arrivées de joueurs et un seul départ. Concernant l'entente VZR-PRG des Noirs, donc c'est l'entente des enfants, Sébastien Loss fera un bilan détaillé de la saison, mais je dois tout de même souligner que notre école de foot prend une tournure sereine et saine. Il y aura toujours des ajustements à faire, mais nous mettons tout en œuvre avec les clubs de la Bachellerie et de Hautefort pour que tous nos enfants soient épanouis dans leur sport. L'investissement des coachs, des parents et des présidents montre encore une fois que tout est possible si tout le monde va dans le même sens et dans l'intérêt des enfants. Notre équipe féminine, tenue par Damien Grand, en entente avec la Bachellerie, a évolué à 8 cette saison et se hisse à la 4e place du tableau. À noter qu'elle se retrouve à être la 3e meilleure attaque et la 3e meilleure défense de leur championnat. Elles continueront l'année prochaine en espérant un recrutement fort afin de passer à 11. Concernant nos équipes seniors, nous avons vécu une saison remplie d'émotions en tout genre, tant sur le plan personnel que sur le plan sportif. Je ne vais pas revenir sur ce que le président a dit, mais juste quelques petites précisions à faire. Il faut savoir que derrière le sportif, des bénévoles donnent de leur temps personnel afin de faire fonctionner le club au mieux et de vous offrir à tous un confort et une attention particulière à chacun individuellement afin de créer cet esprit familial. Malheureusement, Jonathan ne va pas me contredire, on le constate, et ce, dans tous les clubs, les bénévoles manquent, et ce sont les mêmes qui s'investissent. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes actives au sein du club, capables de faire la touche pour les seniors masculins de l'équipe B, puisque l'équipe première ne sera plus concernée l'année prochaine, en évoluant en première division, mais aussi pour nos féminines, qui se sont souvent retrouvées seules, capables de prendre en main aussi l'organisation de repas ou d'événements en tout genre, et de soulager Evelyne et Isabelle à la buvette. Le lavage des maillots et tout ce qu'il y a d'externe. Nous avons des groupes aussi WhatsApp. Là, je me retourne vers les joueurs. Je vous demanderai de répondre aux sondages qui sont publiés. Les réponses sont simples, c'est soit oui, soit non. Mais il faut une réponse, ne serait-ce que par respect envers ceux qui organisent. C'est tout ce qu'on demande. J'ai eu des propositions ces derniers temps. Donc, par exemple, de commander une centaine de gobelets à l'effigie du club avec le logo. Ça pourrait être sympa pour la buvette. D'organiser des soirées diverses et une soirée aussi dédiée aux sponsors. Toute idée est bonne à prendre, il faudra juste en fait de l'investissement humain. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas être 4 ou 5 à tenir tout à bout de bras. D'où l'importance de trouver des dirigeants prêts à s'investir vraiment. Ce qui va changer cette saison, c'est l'achat des tenues ou équipements qui seront pris dans les entreprises locales. Si possible, nous ferons en sorte de vous faire parvenir des bons de commande vierges que chacun remplira et devra remettre à la personne en charge des commandes avec le règlement. Une date limite sera fixée afin de passer rapidement à autre chose. La mise en place du paiement par carte bleue, le terminal SumUp, le coût revient à peu près à 50 euros. Et ensuite, c'est une gestion via un portable. Et éventuellement, on m'a parlé de la tireuse à changer. Donc pour finir, je tiens à remercier le président, les dirigeants actifs du club, les bénévoles, Aurélie, Evelyne, Isabelle, Tiffany, Jean-Louis, Jean-Yves, René Gaillard, qui est toujours là. L'ancien. Oui, et plus particulièrement Coralie Grand, qui s'investit sur la communication du club et qui va venir en soutien aussi au niveau du secrétariat pour me soulager un petit peu. Les joueurs, et pour finir, Olivier, d'avoir repris cette équipe première, d'avoir donné ton temps pour le côté sportif, mais aussi extra-sportif. Voilà, je vous remercie. Deux mots avant de lui passer la parole. Oui, bon, tu as terminé sur Olivier. C'est vrai que le club a failli disparaître plusieurs fois depuis quelques temps. Il a failli disparaître il y a 2-3 ans. Avec Jonathan, on s'était rencontrés. On a bu quelques cafés ensemble. Voilà. On a été souvent à dire bon, mais le club, c'est fini. On n'a personne, on n'a plus de joueurs. On est descendu quand même en 2 ans de 4 divisions, hein, c'est pas rien. On est passé par des moments où ça allait pas. Et on n'avait pas grand monde. Donc ceux qui ont entraîné les équipes à ce moment-là, je leur suis intimement reconnaissant à des moments difficiles. Donc sur l'équipe A, il y a eu un entraîneur que je remercie aussi. Jacky de Croise, qui cette année s'est investi dans le club.
Après, bon, il travaillait, il n'était pas là tout le temps, c'était un peu compliqué. Et bon, on a senti que ça n'allait pas, quoi. Ça n'a rien à voir avec ses qualités d'entraîneur, avec ses qualités humaines. Moi, je suis reconnaissant du travail qu'il a fait pendant quelques mois, mais on s'est aperçu qu'il y avait besoin d'un changement. Il n'y a pas que dans les clubs de première division qu'on change d'entraîneur. C'est comme ça, ça arrive, même dans des clubs qui sont des amateurs. Donc Olivier n'a pas eu beaucoup de choix, puisque déjà il était co-entraîneur avec Jackie de Croise. Donc Olivier, on ne lui a pas demandé son avis, on lui a dit qu'il aurait pu refuser. Et il n'a pas refusé. Et donc merci Olivier d'avoir repris au pied levé, c'est le cas de le dire, ce club et d'avoir amené jusqu'à la première place de la D2 de notre poule. Bon, voilà. Alors, Olivier, après, c'est chaque entraîneur qui va dire ce qu'il veut dire, mais bon, je dis quelques mots quand même. Olivier n'a pas souhaité continuer à être l'entraîneur numéro un de la A. Même, il souhaite prendre un peu de recul. Il y a dans son boulot, c'est pas un long fleuve tranquille. Il va y avoir aussi toute une restructuration du centre social, du centre d'accueil et de loisirs. Mais ça, c'est mes autres casquettes. Mais Olivier est là aussi un élément déterminant. Donc, il ne peut pas tout faire. Et il a aussi des examens à passer pour continuer à grimper dans son rôle d'éducateur. Voilà. Donc, Olivier, je crois que je peux le dire, a réfléchi. Quelques nuits où il n'a pas dormi. Et donc, Olivier reste au club. Et avec toute l'attitude pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, on ne lui impose rien, mais c'est quand même la mémoire. Et il a un côté éducateur. C'est pas pour rien qu'il est directeur adjoint du centre social. Et il a tout ce côté, quand il y a des problèmes, il y en aura. Des problèmes, il y en aura. Ça, faut pas se faire d'illusions, même si tout va bien. Donc, il a ce côté éducateur et il saura de temps en temps rattraper ce qu'il a rattrapé, faire passer les messages. Donc, merci à Olivier, qui est plus entraîneur, mais qui reste, comment on peut dire, l'assistante sociale du club. Voilà. Bon, merci Olivier. Alors après, bon, chacun va dire, parlera, parce que c'est Olivier qui parlera quand même pour la saison, même s'il est plus. Franck Rodriguez a entraîné l'AB. Donc Franck, pour un certain nombre de raisons, souhaite ne pas continuer. Je remercie Franck parce que, bon, tu sais, on a tous des critiques. Même moi, je me fais critiquer, donc tu peux te faire critiquer aussi. Franck a repris aussi une équipe qui n'était pas facile, qui la saison d'avant avait terminé par des forfaits. Quand il n'y avait personne, tu étais là. C'est comme Olivier. Donc, merci d'avoir été là. C'est pas simple d'être entraîneur. Mais bon, je ne suis pas venu tous les matchs de l'AB la voir. Mais j'ai vu quand même qu'en fin de saison, ça jouait beaucoup mieux qu'en début de saison. Voilà. Donc, et l'équipe monte. Donc, merci Franck aussi. Alors après, mais il aura la parole, ils auront la parole, il y a deux nouveaux coachs qui vont être en charge des deux équipes. Donc il y a Didier Lérisson qui est arrivé, qui est à ma gauche. Là. Désolé du retard. Non, mais moi ça m'arrive souvent d'être en retard. Ah bon? Donc, voilà. Et qui était à une autre assemblée générale. Donc tout à l'heure il nous dira... pourquoi il a accepté d'être entraîneur de la A, il nous racontera son passé, son histoire et le challenge qu'il veut relever avec nous au niveau de l'équipe A. Voilà, on verra avec lui s'il faut qu'il ait un co-entraîneur, enfin quelqu'un qui l'accompagne. Moi, je n'ai pas envie de 36 entraîneurs, mais il aura peut-être besoin qu'on l'accompagne, ça on verra par la suite. Au niveau de la B, son prénom c'est Ludovic, voilà, j'ai le prénom pas encore toujours dans la tête, Ludovic Maury,
vous allez applaudir tout de suite quand on vous parlera du résultat. L'abbé, c'était pas facile de créer un groupe et de les amener à la victoire. Lui, il est parti avec une équipe de 8-17 où il n'y avait même pas l'effectif pour jouer des matchs. Voilà. Et il a réussi à garder son effectif, à leur faire faire des petits, jusqu'à la fin. On ne vous a jamais été forfait. Et ils ont terminé champion de la Dordogne avec un effectif qui. Donc aujourd'hui, il ne s'occupera plus des U17. Après, il y aura toute l'école de foot. Donc Sébastien, il va falloir qu'il organise ça avec tous les éducateurs de l'entente. Et donc il va entraîner la B cette année. Voilà, donc ça c'était les présentations. Et maintenant, je redonne la parole à un autre ancien qui a eu des heures de gloire. Avec Didier Constant, ils ont joué à haut niveau. Et ils continuent. Ils pourraient jouer encore. Salut Guy. Et ils ont été décorés par le district aussi. Pour de nombreuses années, ils ont eu des médailles. On a gagné partout cette année, même les dirigeants. Ont eu des médailles. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est une chose quand même à dire. Je pense que tant qu'on a M. Bousquet comme président... Ah, je ne t'ai pas dit de le dire, ça. On n'a pas trop... Ouais, mais essayez de ne changer pas de président. Je vous le dis... Bon, je remercie Jean-Louis Dumort qui n'est pas là parce que Jean-Louis fait du boulot, beaucoup, sa femme aussi. Et les finances sont à peu près saines et je pense qu'il y a le président qui est pour beaucoup. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. Ne changez surtout pas de président. Tant qu'il est là, gardez-le. Je vais passer la parole à Seb parce qu'il rigole, mais il a des choses à raconter. Merci Guy, mais bon. Bonjour à tous. Guy, tu vas pas dire, il n'y a plus d'argent, tu as dit. Oui, mais c'est ça. Donc. C'est pas moi, c'est l'école de foot. Tu y es tous les 8 jours, cher. Bonjour à tous. Et moi, je veux tout d'abord remercier tous les éducateurs. Parce que sans les éducateurs, on a des enfants, mais sans éducateurs, on ne peut pas arriver. En tout cas, cette année, je vais remercier Clara qui s'occupe des filles, donc qui est derrière la barre, qui nous a rejoint rapidement sur les filles. Et Antoine qui s'est occupé du 13, Télé, l'équipe B, et Clara. Donc il nous manque Ludo qui est souvent avec Clara aussi, qui n'est pas là, Ludo du Montier. Donc, pour nous, cette année, c'était une année, j'ai oublié Mathieu qui se cache derrière, qui s'occupe des 15. Et donc, avec Jean-Baptiste, Rodriguez, qui n'est pas là aussi, qui est de la Bachère. Et donc, vous avez entendu Ludo, qui avait la U17, qui a eu un effectif de 12 joueurs plus un U15, qui a quand même fini champion de l'Europe. Donc, c'était tout le travail effectué derrière, c'est pas mal. Et la U13 de chez nous qui figure parmi les meilleurs de la Dordogne aujourd'hui, puisque l'équipe A, première division de district, qui finit en 5e place du championnat, donc il n'y a qu'une poule, qui a fait un tournoi à Biganos qui a fini premier sur les 9 équipes. Hein. Donc qui a fini en premier, qui a gagné la coupe, qui est revenu avec un résultat qui est pas mal. Ils ont fait la finale de coupe de district avec 16 équipes, donc on finit à la moitié des places, donc 8e, et qui est pas mal. Donc je dis qu'aujourd'hui on a un effectif de l'école de foot qui finit parmi les meilleurs. Si nos U11 finissent aujourd'hui, ils sont deuxième derrière Trevisac. Nos U13, ils auront pu aussi faire mieux parce que l'effectif est très 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 bon et on a des joueurs de qualité. On a quelques-uns qui sont en sélection en détention de district. Donc chez les U13, on en a deux. Donc Diego et puis Noah, voire Paul, ils sont trois. Et chez les filles, on a Louisa qui est en détention féminine. Qu'est-ce que je peux dire de plus, ne que vous remercier et remercier Isa qui tient souvent à Fosman, qui me donne un grand coup de main parce que c'est sans ses bénévoles,
il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de, de. On voit rien en fait, parce qu'on en a besoin encore plus pour aller plus loin. Et quand je dis plus loin, c'est parce qu'on a un effectif conséquent, parce qu'à Tenon, si on prend l'effectif de l'Ukraine, sur 45 années, on en a 35 à Tenon. Sur 45 ans, l'enfant de l'entente. Si on prend les U17, sur 12, on en a 8. Et puis nous, c'est après les jeunes. C'est donc, on vous dit que, conséquence au niveau de l'effectif, on a plus de joie que toute l'entente confondue. Donc, si on peut avoir des bénévoles, avoir des éducateurs, on pourra aller encore beaucoup plus loin avec ces enfants qui méritent. Et qu'on a de très bons joueurs qui peuvent sortir du lot et qui, aujourd'hui, font le bonheur de notre entente et de notre club. Rien à dire de plus, si ce n'est que du bonheur de les voir jouer parce que c'est tellement. Ils sont bons. Donc voilà. Attends, redonne-moi. Et ils savent celui-là, ils l'ont piqué. Tant qu'on a de l'argent à dépenser après avec les coachs, c'est Yagi qui est là. Tant qu'on a de l'argent à dépenser. Non, c'est celui-là. Non, non, celui-là, c'est le sien. Ah oui, pardon. Donc merci, merci Seb. Je crois que vous avez applaudi, c'est bien, ça fait des années qu'il est là. Et quand Seb est venu, c'était quand même une vedette qui venait ici. Il ne faut pas oublier qu'il a été 29 fois, j'exagère, je ne sais pas si c'est 29, c'est ça ? 20 fois, ça suffit. 20 fois international quand même, donc qui a joué... C'était avant. Ah, ouais, c'était avant, maintenant il ne marche plus beaucoup. Mais il était... donc Seb, il est venu, on était en première division, ça s'appelait Excellence à l'époque. Voilà, il a joué dans un petit club en venant de niveaux beaucoup plus élevés et il est resté. Voilà, donc merci. Et puis il crèvera ici de toute manière. Non, mais c'est vrai, il partira pas. Si, j'ai dit à Emily, je laisse ma place. Et moi, je lui ai dit que j'allais frapper. Non. Le problème est réglé. Quand il prendra la retraite de la commune, il sera encore obligé à rester ici. Voilà, donc Seb, merci. Alors, vous avez parlé de l'entente, vous avez parlé des ententes, je dis qu'on s'entend très très bien. Alors après, il y a toujours, comme tu as dit, quelques petites choses à régler, mais on vient tellement loin que c'est un vrai bonheur aujourd'hui de travailler ensemble dans l'intérêt des gamins. Alors, on a l'école que tu viens de dire, et on a les filles ensemble. Donc Damien, c'est toi qui t'occupes des filles. Dis-nous un peu où ça en est aussi. Voilà. Ramène-lui un micro. Le coach, il est là. Le coach, c'est pas là. On va improviser, c'est pas grave. Emily a fait le bilan de la saison tout à l'heure. Tout était juste. On devrait repartir. Pour l'instant, on est en train de voir un peu les filles qui sont en train de venir. On attend encore quelques réponses des filles qui savent où elles vont par rapport aux études. Mais très prochainement, on saura à peu près, on sera capable de dire ou pas si vous jouez à 11 ou pas. Les filles à 8 ou à 11. Ouais. Voilà, donc après, évidemment, moi je vais faire comme tout le monde. Je vais remercier ceux qui nous ont suivis. Je vais remercier Tenon, déjà pour le prêt du bus, parce que je sais que l'équipe première, la dernière fois, nous a laissé le bus. Il devait partir à Tuyres. Ils nous l'ont laissé pour nous, pour les filles, pour qu'on parte à La Roche-Chalais ou à je sais pas où là-bas, je m'en rappelle plus. Il y avait une heure et demie de route, donc voilà. Merci déjà. Et merci à tous qui nous ont accompagnés. Puis les recrues. Un Clara. Une qui est là. Donc voilà, elle a pas je t'ai dit que je te lâcherai pas. Hein. Elle a pas de lit dans tout le monde. Jamais elle a pas de lit, ça fait rien. Il a dit elle a pas tout en plein voilà. Donc, et puis Émilie aussi qui a pris beaucoup de nouvelles. Ça fait de leur tête. Parce que c'est vrai qu'on oublie un peu les filles de temps en temps. C'est pas l'équipe Fagnon des clubs. On est souvent dans le monde un peu tout le monde. Mais quand même, il y a des gens qui s'intéressent. Je vais redescendre le temps. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Il y en a qui sont venus, Olivier a arbitré un match aussi à Tenon. Voilà, c'est le plaisir. Le dimanche, tout ça. Voilà. Voilà, merci.
demain, on réunit les trois présidents, hein, donc il y a des choses à régler, mais ça a beaucoup progressé, hein, que les matchs des filles se fassent tantôt à la Bachellerie, tantôt à Tenon. Enfin, il y a des choses à faire pour que cette entente fonctionne, mais bon, ça ne pose pas de problème. Alors j'ai une... Bon, avec ma casquette de président de communauté de communes où j'aide tous les clubs, alors je vous le dis avant que vous me traitiez de faux, je sais pas quoi, de faux cul ou de traître, il y a une nouvelle équipe féminine qui se monte à Bourgard. Voilà. Alors ils m'ont demandé une aide et bon, je ne leur donnerai pas des milliers d'euros, mais ils seront subventionnés comme tous les clubs de Dordogne, bien que je leur ai dit que j'étais que... pas très favorable à la multiplication des clubs. Et je l'ai dit, parce qu'on a déjà du mal à avoir des clubs, il vaut mieux se rassembler que se diviser. Mais bon, après, Bourgard, c'est Bourgard. Bon, bref, je l'ai dit, hein, mais donc je les accompagnerai dans la création de ce club où ils ont pas mal de filles à Bourgard. Mais c'est un peu dommage, il vous ferait mieux de venir avec nous. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Les déplacements sont pas longs. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, je vous le dis que ça se saura. Il y a un club féminin qui se monte à Bourgard. Bon, mais c'était tout pour l'instant. Alors maintenant, on commence par la B. Franck. Il a un micro. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit M. Bousquet. L'objectif de début de saison était la montée. Ça n'a pas été facile au départ, finalement on a quand même réussi, il y a eu des moments de doute, l'objectif a été atteint, il y a du potentiel dans l'équipe, il y a du gros potentiel, même pour la montée de la saison prochaine, sûr, il y a de quoi faire, sûr que vous pouvez tous monter encore d'une division sans problème, voire pourquoi pas même continuer plus haut, mais bon, il va y avoir quand même du travail et là ça va être du coup à Ludo de s'y mettre parce que cette année, voilà, j'ai pris quand même du plaisir, heureusement, mais je décide d'arrêter. Voilà. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Très bien, merci. Alors, les joueurs, que ce soit de l'A ou de la B, il y en a un certain nombre qui habitent Périgueux ou ailleurs. Donc ça, il faudra qu'on règle bien l'histoire des petits cars. On a la chance d'avoir trois petits cars. Il y en a un d'à peu près neuf et deux qu'il faut ménager. Donc là, j'ai été gentil jusqu'à présent. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des responsables pour chaque petit car et faire attention. Parce que même si je ne traîne pas partout, il y en a toujours pour me répéter. Ah ben le car, on l'a vu traîner à tel endroit. Je gueule en disant comment ça se fait. On me dit sur la 89, il y a un car comme un fou qui nous a doublé. Alors qu'ils sont tout vieux et qu'il faut les ménager. Bon, bref, au niveau de la gestion des cars, il y a... Les PV, il y en a, mais ça, c'est le radar qui s'est trompé, certainement. Okay. Mais bon, en tout cas, il faudra une meilleure gestion des petits cars. Les employés communaux, là, qui doivent avoir l'œil dessus... J'espère que tous les trois vont passer là, chez Chaban, hein, qu'ils soient révisés, réparés, en état. Hein, et puis peut-être que tout à l'heure Didier Lérisson parlera, peut-être il en gérera un, on verra. Hein, il faut qu'on s'organise sur la gestion de ces petits cars et les faire durer le plus longtemps possible. Parce que même si le club, aujourd'hui, il lui reste un peu de sous, il va falloir aller chercher... des sponsors et pas faire trop de dépenses, sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Pour la B, alors je ne sais pas si vous avez commencé à communiquer. Voilà. Bon, mais tu vas quand même dire pourquoi tu as accepté et pourquoi tu viens. Et après, il faut... On y garde le micro. Et après, il faut voir, il faut que vous répondiez le plus vite possible ce qui reste, voir quel est l'effectif. Et il faut une certaine concertation, communication entre l'entraîneur de la A et celui de la B. Pour moi, il n'y a pas deux groupes. Après, on voit comment on s'entraîne. Bon, on ne peut pas toujours entraîner tout le monde ensemble, mais il faut voir comment on s'organise. Pour moi, il y a un seul groupe. Les gars de la B, il faut qu'ils s'entraînent pour monter en A. Et les gars de la A, il faut qu'ils s'entraînent pour rester en A.
Voilà, donc une fois qu'on sait ça, hein, c'est à chacun à monter, mais dans le même groupe. Hein, voilà. Donc, allez, Ludovic. Bonsoir à tous. Pourquoi j'ai accepté parce que c'est un sacré challenge pour moi. Ce sera ma deuxième fois que j'entraînais des seniors. Sinon, j'ai toujours entraîné que des gamins. Après, pour la saison prochaine, je souhaite faire une montée aussi. Bon. C'est l'objectif, je pense. Quand on réduit cet écart entre la B et la A. Et après, mon objectif, c'est de travailler avec le futur coach de la première pour qu'il n'y ait qu'un seul groupe, comme disait M. le Président, pour que les gars de la B et les gars de la A puissent changer d'équipe. Voilà, c'est mon objectif. Après, il faut que certains joueurs acceptent, des fois. Des fois, je sais que c'est difficile de jouer avec la B, mais de temps en temps, pour se remettre en confiance, ça fait un peu de bien. Donc voilà. Après, par rapport au 17, je vais parler par rapport au 17. C'est vrai que c'était une saison un peu compliquée en début de saison. On est parti à 10 même au départ. Mmh, bien sûr. On a réussi à trouver deux joueurs. Je vous remercie Mathieu, qui m'a prêté des 15. Parce que des fois, c'était très compliqué. On fait une seconde partie excellente. On a, je crois, c'est 7 victoires, 1 nul et 0 défaite. On a gagné la finale. Ouais. Très bien. Bon, Olivier. Je suis là. Un mot sur la saison. Ouais, les joueurs, ils savent déjà, j'aurais déjà tout dit. Félicitations pour la saison, pour avoir atteint l'objectif. On a eu des hauts, un petit peu de bas cet hiver, mais on a fait le dos rond et au final on s'en sort. Les étoiles se sont alignées sur la fin de saison. La finale, bon, ça c'est les bonus. Moi je m'étais arrêté un petit peu avant. L'objectif c'était la montée en première division, c'est acquis. Donc encore félicitations aux joueurs. J'ai utilisé 21 joueurs sur la saison. J'avais quand même un effectif réduit de 17 joueurs pour la première. Et alors je rebondis un peu sur ce qu'a dit Ludo. Cette année c'était compliqué de faire jouer des joueurs de la A en B ou de la B en A avec le problème des mutés. Ouais, c'était ça. C'était vraiment une saison particulière au niveau des mutés, donc il a fallu jongler et on n'avait pas beaucoup de manœuvres. L'année prochaine, tous ceux qui étaient mutés ne sont plus mutés. Donc maintenant ce sera à eux de travailler aux entraînements, de se montrer au coach pour pouvoir prétendre une place en équipe A. Voilà. Et je reviens, un grand merci aux bénévoles, parce que sans eux, on n'existe pas. Et c'est un travail immense qu'ils ont fait encore cette saison. Jean-Louis, Evelyne, Isabelle, Didier, Jean-Yves, que j'ai eu énormément aussi au téléphone, mon petit Jacques, tous les samedis avec nous. Voilà, c'est... Si on les a pas, ces personnes-là, le club ne peut pas fonctionner. Donc, les joueurs, c'est bien, mais les bénévoles, c'est encore mieux. Voilà. Un grand merci, Émilie, pour tout ce que tu fais pour le club, parce que, sincèrement, je te tire mon chapeau. C'est énorme ce que tu fais. Donc, un grand merci. Les joueurs, vous vous rendez pas compte, mais... Sur une semaine, le travail que fait Émilie, juste sur une semaine, pour que le week-end ça se passe bien, c'est impressionnant. Donc voilà, il faut en être conscient. Des fois, vous râlez un petit peu, ça la met hors d'elle, ce qui est normal. Mais bon, voilà, il faut en être conscient. Si le week-end vous pouvez jouer dans de bonnes conditions, c'est grâce à elle. Voilà. Je souhaite la bienvenue à Didier. Merci. Je vais te passer le relais. Tu as un groupe avec un très bon potentiel qui peut encore s'améliorer. Voilà. Bienvenue à Ludo aussi, au club. J'espère que vous arriverez à faire de belles choses, je vous le souhaite. Mais normalement, avec les jeunes qui sont là, le groupe qu'il y a, ils ont envie de travailler. Voilà. Il faudra bien, M. Bousquet a parlé du bus à Périgueux, pour que les joueurs soient là. Parce qu'en première division, je pense que s'il n'y a qu'un entraînement, ce sera compliqué.
Voilà. En deuxième division, ça a été compliqué physiquement sur la fin de saison, ça s'est senti. Donc première division, si on veut des résultats, il faudra être présent à tous les entraînements. Voilà. Et je pense que j'ai oublié personne. Ouais, bien sûr, je vous remercie à ma femme pour le temps que je passe au club. Voilà. Et qui s'occupe de l'animation aussi. Oui, mais ça, ouais. Non, il n'y en a pas fait grand-chose. Mais oui, mais l'année prochaine, il va en faire plus. Oui, oui. Elle ne se montre pas beaucoup, mais elle en a fait beaucoup aussi. Oui, mais bon. Voilà. Et tout le bureau, hein, parce que bon, on n'a pas cité tout le monde, mais ouais, on a oublié quand même. Il y a Seb qui a contribué à la montée en B cette année. Il a fait quelques matchs avec en duo avec Franck. Alors, ça s'est arrêté, mais en tout cas, il a participé à la vie du club. Il fait partie des 21 joueurs dans lesquels j'ai utilisé. Il a joué gardien à Chamier. Il s'est blessé. Il s'est blessé, non, je pense pas. Pas à Chamier. Donc voilà, mais c'est aussi un personnage du club qui est là quand on a besoin. Et donc un grand merci, Seb, aussi pour être là. Bon, allez, le nouvel entraîneur. Explique qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire. Bonsoir à tous. Merci déjà Olivier pour ton petit mot. Déjà, premièrement, félicitations pour l'ensemble de la saison, à vous tous. Hein. Une saison, ça se fait joueur, staff, dirigeant, président. Donc félicitations à vous pour cette belle année. J'en profite au passage pour féliciter Jonathan Blondy pour son élection, puisque je ne l'avais pas vu encore. Voilà, donc moi je suis Didier Lérisson, je suis coach depuis une bonne vingtaine d'années, hein, diplômé. J'ai fait plusieurs clubs, je ne vais pas détailler mon CV, mais je remercie le président Bousquet pour sa confiance. Je viens avec l'idée de rester plusieurs années, pas que un an, parce que sinon ça... Ça rime à rien. Donc plusieurs années, ça veut dire quoi? S'appuyer sur le groupe existant. Je suis venu voir jouer à plusieurs reprises cette année, parce que j'aime bien sillonner, observer les matchs, observer les joueurs et tout ça. Donc vous avez, c'est vrai, un bon potentiel, bien entendu. Je pense quand même qu'il faudra renforcer l'équipe pour la première division. La poule s'annonce quand même compliquée, difficile. Donc il faudra quand même renforcer l'équipe, mais la moyenne d'âge est jeune, donc du coup, voilà, je compte m'appuyer sur vous en travaillant, en progressant. Bien évidemment, deux entraînements, mardi, jeudi, ça sera impératif, et avec un troisième entraînement pour le mois d'août et septembre, pour se préparer à la saison qui nous attend. Hier, je suis venu visiter les installations, et j'étais très bien accueilli par l'équipe au stade, là, Mika, Mathieu, Telly, Antoine, bien évidemment, Seb Alos, que je connais depuis longtemps, parce que je l'ai coaché à Trélissac. Et il était très bon déjà. Donc merci pour votre accueil, j'ai pu visiter les trois sites, hein, Tenon, Limera et Fosmagne. Du coup, il y a aussi une capacité de terrain à utiliser, à exploiter, à voir comment on s'organise. Fosmagne, il n'y a pas d'éclairage, mais ça m'a beaucoup plu à Fosmagne. Limera aussi, bon, tout était fermé à Limera, mais le terrain avec l'arrosage intégré, c'est bien aussi. Et bien évidemment, Tenon, qui est fortement utilisé, on m'a expliqué, qu'il faudra aménager. Et voilà. Donc moi, je viens, comme je vous ai dit, pour plusieurs années, avec l'objectif de ramener le club en régional, c'est clair et net. C'est les premières paroles qu'on a échangées avec le président Bousquet. En combien de temps on y arrivera, je ne sais pas. En revanche, on va y arriver. On va y arriver. Mais il faudra bosser, il faudra s'accrocher. Au moins un an. Il faut au moins un an, tout à fait. Donc il faudra travailler, il faudra se préparer, il faudra... Voilà. Moi,
les gens qui me connaissent dans les clubs où je suis passé, j'ai une vocation de football offensif. Donc ça, c'est des principes de jeu, c'est des bases. J'aime bien marquer beaucoup de buts. Antoine est là pour témoigner. Il y a 2 ans, en D1, on avait mis... Combien, Antoine ? 100 buts. Bon, alors, sans aller jusque-là, c'est vrai que moi, je prône un football offensif. Où les joueurs prennent du plaisir et peuvent s'exprimer à travers ce football-là. Maintenant, ça implique aussi voilà, une préparation, sans négliger bien sûr tout l'aspect défensif. En compétition, on ne peut pas y échapper, l'aspect défensif est important. Mais avec l'idée de proposer du jeu vers l'avant et du football offensif. Voilà. Parce que, après, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Mais je suis heureux de rejoindre le club de Thenon. Mes échanges avec le président Bousquet ont été très bien. Franchement, j'ai été séduit tout de suite par le projet. Et voilà, j'ai oublié aussi le City Stade, Antoine, à Thenon, qui est aussi bien. J'ai vu ça hier avec City Stade de Maxence Lacroix, je crois. Donc du coup, il y a des terrains, il y a moyen de travailler, de se préparer. Voilà. Merci à vous. Bon, avant que les maires prennent la parole pour nous donner leur soutien, pour l'instant, il est trop tôt de parler des recrues. Pour l'instant, Didier Lérisson travaille. Il est clair que c'est lui le patron. Moi, je suis un président un peu atypique. Vous ne me voyez pas tous les jours à l'entraînement et tout le temps à tous les matchs, parce que j'ai quelques autres casquettes. Par contre, mon portable existe. Tout le monde a droit à m'appeler et pour essayer de trouver les solutions qu'il faut aux uns et aux autres. Après, je ne règle pas tout. Loin de là, sinon je serais le bon Dieu et je ne suis pas le bon Dieu. Voilà, donc, mais celui qui fait, qui va être chargé du recrutement, de récupérer des joueurs, mais comme il a dit, en gardant cette équipe existante qui est jeune et qui peut progresser, c'est lui. Lorsque vous avez un joueur de vos copains, les uns ou les autres, qui est intéressé par venir, c'est d'abord lui qui le voit, qui le rencontre, qui dit s'il fait partie de son organisation, parce que bon, même un mec soit très bon, des fois il ne fait pas partie du plan de jeu, donc c'est lui qui décide, et après il me dit si je dois le rencontrer et s'il y a des choses à voir avec lui. C'est comme ça qu'on fera, pour la B c'est pareil, et en tout cas il faut que vous travaillez ensemble, surtout les recrutements, vous travaillez ensemble. Voilà, les seuls. Et puis alors, après, il y a tous ces problèmes matériels qu'il faudra voir, les cars, les ci, les là. Tout ça, il faudra une réunion, mais c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui, mais une réunion commande l'organisation matérielle de tout ça. Voilà, bon. Merci à la mairie de Thenon, finance quand même le club de façon importante pour une des deux. Voilà, et puis il nous dit ce qu'il veut. S'il veut donner plus l'année prochaine, ça sera très bien, parce qu'on va en avoir besoin. Merci. J'excuse d'abord Jean-Luc Blanchard, qui aurait souhaité être là et qui malheureusement ne peut pas ce soir. Le foot à Thenon, ben, on est très content parce que ça fait des années que ça dure. Et je crois que bon, ça doit faire 14 ans FCTLF, hein, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Donc les mairies sont toujours derrière le foot depuis toujours. L'aide, bien sûr, on aura toujours le foot, va passer en tête de toutes les subventions qu'on peut donner, alors peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, bien sûr, mais il va y avoir la subvention qui va tomber là, ce mois-ci, enfin, il ne reste pas beaucoup de jours, mais 20 000 euros, voilà, et il y a aussi aide en moyens humains, donc voilà, c'est aussi important. Seule petite économie cette année, c'est sur l'arrosage. Il n'y a plus ? Je crois qu'il y a eu assez d'eau comme ça. Voilà, mais autrement, non, on est toujours derrière vous. Et puis, bah, l'année prochaine, pas de soucis. Voilà. Alors, on peut dire merci d'une main et demander de l'autre. Ça va souvent ensemble.
Moi, j'ai un maître en politique qui s'appelait Yves Guénat. Il m'a toujours dit, tu remercies ceux qui te donnent, mais n'hésite pas de l'autre main de leur demander un peu plus. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, pour un club de D2, c'est déjà bien, la subvention. Mais pour boucler les budgets, il faut autour de 100 000 euros. Tu n'as pas donné de chiffre, mais il faut autour de 100 000 euros. Hein. Donc, ça ne tombe pas comme ça. Hein. Il faut aller en chercher comme on peut. Après, le terrain. Bon, il n'y a peut-être pas besoin d'arroser avec tout ce qui pleut, mais un terrain, ça demande pas mal de choses. Le carottage, chaque année, c'est peut-être pas indispensable tous les ans, mais il n'a pas eu l'année dernière. Hein. Donc il faudra, faudra pas rester, parce que ce terrain, quand on l'a pris il y a quelques années, il était pourri. Hein. On l'a refait, on l'a carotté, on l'a sablé, on a mis un arrosage automatique, enfin... Tout ça, un terrain, ça met du temps pour être bon, mais ça met pas beaucoup de temps pour être mauvais. Hein. Donc, vous inquiétez pas, je ferai passer les messages quand je pense qu'il y a des choses à faire. Donc, il y a, je sais plus avec quelle société vous continuez à bosser. Enfin, il y a les engrais, il y a le truc pour tuer les mauvaises herbes, il y a le carottage, il y a le sablage. Tout ça, il ne faut pas l'oublier. Ça pousse bien. Il ne faut pas l'oublier, sinon c'est vite détérioré. Voilà, mais on vous fait confiance. Et quand on pense qu'il faut faire quelque chose, je ne suis pas bègue en général, ni timide. Voilà. Et voilà, parce que bon, ça reste le terrain d'honneur quand même. Donc, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, c'est sûr que notre participation à l'Emera est bien moindre que celle de Tenon, que je félicite. Nous essayons de maintenir les équipements dans le meilleur état possible. Et d'ailleurs, si nous avons les équipements que nous avons à l'Emera, je dois dire qu'ils ont été, pour beaucoup, complétés par des actions bénévoles. Le clubhouse, l'arrosage intégré, tout ça, c'est des choses qui ont été réalisées en grande partie par des bénévoles et qui nous a permis donc d'avoir ces équipements. Alors pour la saison passée, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un peu le frisson de quelques années en arrière. Et ça fait plaisir de voir les deux équipes seniors monter. Bien sûr, on a été un petit peu déçus pour la finale, parce que tant qu'à faire, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais vous aviez déjà bien œuvré dans la saison, donc c'était bonne réussite. Bienvenue aux nouveaux entraîneurs, puisqu'ils sont nouveaux tous les deux. Et la meilleure réussite possible. Et encore une fois, bravo à tous les bénévoles et bravo à tous ceux qui s'occupent des équipes de jeunes, parce que c'est important. C'est important parce que c'est l'avenir du club, mais c'est important parce que ça permet aussi à des jeunes de trouver une activité sur le territoire et de s'épanouir le dimanche et dans la semaine aux entraîneurs. Donc, bravo à tous. Ouais, on a aussi les arbitres à remercier. Donc il y a Ludovic Lachaud, Patrick Padelou et Olivier à qui j'ai dit qu'il fait ce qu'il veut cette année. Mais bon. Après, il peut arbitrer en jeune. Hein. Oui. Et Ménard ou Sarri. Ouais. Elle n'arbitre pas. Et alors, il faut arbitrer 16 matchs dans l'année pour qu'on soit comptabilisé. Et si on n'a pas d'arbitre, on a les mutés en moins les années d'après. Donc tout ça, il va falloir voir s'il ne faut pas aussi recruter un peu quelques arbitres. Voilà, mais il faut qu'ils fassent les matchs. Hein, il ne faut pas qu'ils soient que licenciés chez nous. Quoi. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit, s'il y en a un qui ne fait pas 16 matchs, il est bon s'il en fait 12. S'il en fait 12. Mais il faut qu'un de ses collègues en fasse plus. Oui, mais avec Pat, il n'y a pas trop de doute sur le fait que les 20 sont faits dans l'année. Bon, ok. Voilà. Donc, c'est que 12 matchs, en fait, alors qu'il faut faire pour un. Bon, donc on verra tout ça, mais c'est important. Je crois qu'on a à peu près. Ouais, mais il va oui. Terminer. Oui, Olivier, il termine. Juste, je voulais dire, du coup, je suis un joueur disponible.
Et je serai là à tous les entraînements. Et mon objectif, moi, c'est de prendre la place de Thierry l'année prochaine. Les jeunes, accrochez-vous. Vous avez intérêt à être là aux entraînements si vous voulez avoir votre place. Alors, je rejoins exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que je vais prendre, enfin, quand je dis je, on va prendre tous les seniors aux entraînements, au moins août-septembre, d'accord, pour qu'il n'y ait qu'un seul groupe senior. Ensuite, bien évidemment, le mardi, on sera tous ensemble, mais le jeudi, on essaiera quand même, pour préparer le match, de faire deux groupes, un groupe A, un groupe B, le jeudi, pour préparer quand même les rencontres. Voilà. Mais Olivier, si t'es bon, tu joueras. Bon, les jeunes, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a pas besoin de micro. Je préfère à la fin, si vous faites ça, c'est juste pour ma part. Donc. C'est la fin, là, on va aller voir. Je fais mes études sur Bordeaux, du coup, je peux être disponible que le vendredi. C'est pour ça que je vais m'informer par rapport à. Baron B, voilà. Le vendredi, ça sera en début de saison. Okay. Lundi, mercredi, vendredi. Mais c'est après. Je suis disponible, c'est juste à partir de septembre, du coup, que je peux faire mes études. Ah oui. Ouais. Les deux, il est content. Mais après, il faut trouver un club à Bordeaux. Trouver un club pour s'entraîner à Bordeaux. Il y a des clubs où on peut rentrer en contact avec des clubs. Oui, tout à fait. Antoine, il va pas être content. Il y a un truc qui dit tout, hein. Il cherche un trésorier. Il est à deux bords. Il cherche un trésorier aujourd'hui. Bon, en tout cas, tout ça, c'est les coachs qui feront. Quand tu es étudiant, tu ne peux pas être là. Mais après, comme ils disent, il faut s'entraîner ailleurs. Et tu fais une photo comme quoi tu t'entraînes. Et puis, sinon... Je vais sur le terrain, je repartirai. Okay. Il y a des possibilités un jour, on va mettre des clubs là-bas. Bon, après, je vous ai dit, je suis à votre disposition. Hein. Bon. Il y a quelques joueurs qui sont contactés pour renforcer l'équipe. Voilà, pour l'instant, on ne donne pas de nom, mais Émilie, tu n'en as pratiquement pas qui sont partis. Là. Non, j'en ai qu'un seul pour l'instant. Il y a qu'un qui s'en va ? Oui. Okay. Et ouais. Après, aucun des groupes là ne s'en va. Aucun des groupes s'en va. Okay. Enfin, s'ils répondaient au sondage, on s'en saurait un peu plus, mais c'est compliqué de cliquer sur le oui ou non. Ouais, donc faites-le, qu'on sache où on va. Hein hein. Mais quand tu dis que tu en as 45, c'est quoi ? C'est tout confondu, les enfants et les adultes. C'est sur la totalité des licenciés, on en avait 160. Ouais, 69, tu en as 45 qui sont renouvelés. Renouvelés déjà. Voilà. Donc il y a tous les autres qu'il faut qu'ils le fassent. C'est ça, hein? Mais pour la plupart, ils attendent le certificat médical. Ok. Ah. Un vétérinaire ne peut pas le faire. Non. Okay. Quoique pour certains, ça peut passer. Pour certains, ouais, ça pourrait. Teddy, il en a besoin. Mais c'est l'homme du match, c'est pour ça. Bon, avant que Jonathan Blondy termine, vous avez droit à tout dire. Hein. Ah ouais. Non. Pas vu que je sois d'accord avec ce que vous dites. Ben c'est pour ça que je lui dis non tout de suite. Ok. En rien d'autre, en tout cas, merci. Et puis, le challenge continue l'année prochaine. Voilà. Tu voulais me faire parler ce soir ? Ouais. C'est... Je te remercie pour tes quelques mots. Je suis convaincu que tu feras du bon travail, comme tu l'as fait partout où tu es passé. Un coach apprécié, reconnu également par la famille des arbitres, donc ça en dit long aussi sur la qualité de l'homme. Et tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de bénévolat, et en effet, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est une denrée rare dans de nombreuses structures associatives, tout comme au district hein, d'ailleurs. Hein. On a cette problématique-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une volonté où il faut réussir à les valoriser. Il y a eu de nombreux hommages ce soir, en effet. Je pense un petit peu aussi à Olive, que j'ai eu quelques fois cette année au téléphone, notamment sur les arrêtés municipaux, sur les terrains praticables. Voilà, je pense que c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le club a tout pour réussir et à retrouver quelques lettres de noblesse. Je pense que vous avez un président qui est important, et en effet, je vais rebondir sur ce qu'a dit le trésorier, il faut le garder quand même. Moi, je vous souhaite en tout cas de réussir l'année prochaine. Je vous souhaite de retrouver à terme, en tout cas,
la place que vous méritez. J'ai eu l'occasion de vous voir quelques fois cette année, et j'en connais certains, et j'ai pas doute qu'il y aura les qualités entre les bénévoles, les éducateurs, les joueurs, avec le soutien de la mairie, pour réussir. Et je pense également aux anciens, qui apportent beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que le maillage jeune et ancien fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est le projet club qui doit l'emporter. Voilà. Merci à vous. Alors, théoriquement, on vote aussi aux assemblées générales pour le conseil d'administration. Bon, tous ceux qui étaient déjà sont réélus. On vient nous venir de voir. On vient de voter. On les remercie. Après, s'il y en a quelques-uns d'autres, en fonction des statuts et du nombre, qui veulent y rentrer, ils voient avec Émilie, on aura aussi voté pour eux. Voilà. Voilà. Et puis après, ben, puisque le président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire, bon, ben, on sera encore candidat et vous aurez voté aussi pour nous, donc tout va bien. Et voilà. On sait pas qui veut changer de président, Télé. Ouais. Pas de problème. Qui veut changer Télé? Qui veut changer Télé? Mais qu'est-ce qui vous a fait ce prof Télé? C'est l'homme du match. Le souffre d'où? Ça nous manque de pas le chambre. Ok. Bon, ben merci.